Bonjour, je m'appelle Mathieu Verdon, je suis en Master 2 Management Entrepreneuriat et Conseil aux PME et dans le cadre d'un cours qu'on appelle Économie sociale et solidaire, on nous a demandé en fait de réaliser un roman photo sur ce sujet. Alors le roman photo, la thématique principale c'était déjà de réfléchir à un scénario sur l'économie sociale et solidaire, une problématique de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite les étapes c'était donc la rédaction du scénario, l'élaboration d'un storyboard et ensuite réfléchir au plan de vue qu'on pourrait faire, prendre les photos et réaliser le montage du roman photo en fait. On a décidé en fait de mettre en scène une directrice d'une entreprise un petit peu véreuse qui crée en fait un partenariat, une alliance perverse avec une personne extérieure. Et en fait, par un bon procédé ou un mauvais procédé de facture, d'échange de facture, ils mettent en fait en faillite la société. Les employés le découvrent. Et puis l'histoire se passe autour de ça. C'est vrai que c'était intéressant. C'était pas mal parce qu'on a pu s'exprimer un petit peu différemment. Voilà, c'est vrai que c'est un exercice qu'on n'avait pas du tout l'habitude. Et au final, on a travaillé avec des figurants, donc des collègues de promotion. C'est vrai que c'était assez intéressant, la communication avec eux, ouais, parce que fallait vraiment qu'on leur fasse passer notre vision un peu de ce qu'on voulait. C'était vraiment du management, quoi. On a pu retrouver un peu les traits des cours de management qu'on a eu, des expériences qu'on a déjà eues au préalable, et vraiment une expérience assez enrichissante. Les travaux en groupe, on connaît. On n'est pas experts, mais on commence à être des très bons amateurs, disons. Mais là, vraiment, la difficulté, c'était on avait deux difficultés, en fait. C'était de mettre en scène physiquement des gens, et de faire aussi avec les disponibilités de chacun. Parce qu'en fait, on est tous sur des projets différents et on a réussi justement à convaincre des personnes de notre promotion à venir nous filer un coup de main pour être figurant. Et ils le faisaient sur leur temps de travail. Et du coup, c'est vrai que ça a été vraiment, comme dit Lucas, un vrai exercice de management. Et je rajouterais que c'était avant tout une ouverture d'esprit pour nous. Voilà, comme j'ai dit, hein, c'était un nouveau moyen de s'exprimer qu'on connaissait pas, qu'on maîtrisait pas, et ouais, une ouverture d'esprit sur pourquoi pas exploiter d'autres biais pour communiquer, pour raconter une histoire.